Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle série de conférences en ligne que nous avons appelée la question milestone du jour. Le concept est simple, aborder en une quinzaine de minutes une interrogation souvent posée par nos clients, par nos partenaires, à travers un mix d'explications et de démonstrations live. Alors, mon collègue David Eschiavone, responsable des partenaires technologiques et moi-même, Amaury Chapeau, business manager, nous aurons le plaisir de vous re retrouver pour deux épisodes par semaine autour de cette thématique. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous envoyer vos questions par email ou même poser vos questions durant le webinaire avec l'outil de chat. Nous reviendrons vers vous pour chaque petite question posée et peut-être que nous sélectionnerons votre question pour une prochaine présentation. Débutons dès à présent avec la première question du jour. David, si tu veux bien passer la slide. Oui, elle est passée la slide. Ah. Donc, la première question du jour, comment diviser drastiquement mon temps de recherche dans XProtect? David, je te laisse prendre la suite, tu peux nous en dire un peu plus? Merci. Amaury, avant de vous expliquer, prenons un peu de recul et voyons les raisons qui ralentissent la recherche. Le premier facteur sont les sources de données qui, dans la plupart des solutions, sont très limitées. Il peut s'agir d'une caméra, de la détection de mouvement, soit d'une alarme générée par un contact sec ou une intrusion. Le deuxième facteur concerne les outils. Généralement, les uniques à disposition dans les logiciels sont la barre du temps que nous trouvons dans presque toutes les interfaces post-client. Et dans certains cas, si on a la possibilité, on a des gestionnaires d'alarme. Le troisième facteur des ralentissements sont les critères de recherche disponibles. Le plus de critères nous avons, le plus la recherche sera rapide. Malheureusement, dans la plupart des cas, ils sont limités à très peu d'informations fournies par les sources. Les critères les plus connus sont la date, l'heure, la détection de mouvement, donc le déclenchement de la détection de mouvement, et l'état de déclenchement d'une alarme, si vous utilisez, par exemple, une VMS. Attention, les critères d'investigation sont généralement limités à une seule caméra. Et maintenant, voyons comment nous pouvons surmonter ces problèmes avec Milestone, c'est-à-dire réduire considérablement le temps de recherche. Comme nous l'avons déjà vu, tout dépend des sources. Plus nous avons des sources, plus notre recherche sera riche. Dans XProtect, nous en trouvons principalement cinq. Les caméras, les appareils IP et les logiciels d'analyse vidéo. Ces appareils peuvent envoyer à Milestone des informations telles que la vidéo, l'audio, mais aussi l'enrichir des métadonnées telles que la couleur, le type d'objet, soit le type de véhicule. C'est des exemples. D'autres types d'informations peuvent être les événements analytiques qui communiquent à XProtect des informations telles que le franchissement des lignes et la détection des mouvements. Il y a encore deux types de sources. Nous pouvons avoir le contrôle d'accès et le système anti-intrusion, qui peuvent communiquer des événements importants tels que l'accès d'un individu, l'état d'une porte ou la présence non autorisée dans une zone spécifique. Nous avons donc besoin aussi d'automatismes et d'outils pour pouvoir exploiter les sources de données dont nous disposons. XProtect offre désormais la possibilité d'enregistrer les métadonnées des caméras et des logiciels d'analyse dans toutes les versions. Cette automation vous permet d'utiliser au mieux une fonction appelée recherche centralisée qui travaille dans le Milestone en modalité multicaméra. Si les informations provenant des caméras le permettent, il est également possible de créer une certaine automatisation grâce au moteur de règles. Un exemple concret est, par exemple, chaque fois qu'une voiture bleue passe, vous mettez un signet sur la barre de lecture dans le Smart Client. Le système de contrôle d'accès et la détection d'intrusion
peuvent être automatisées pour affiner les recherches grâce au gestionnaire d'alarme, soit à notre plugin Milestone X Protect Access. Mais de ça, on en parlera dans les prochains épisodes. Avant de vous faire une démonstration pratique, voici un tableau récapitulatif des principaux partenaires Milestone France et les modalités d'intégration. Pour ce qui concerne les caméras, nous avons Axis et Bosch qui sont capables d'utiliser toutes les fonctionnalités des recherches avancées basées sur métadonnées et les événements. On peut aussi créer de l'automatisation des signés dans les deux cas. Pour ce qui concerne ICVision et Mobotix, nous pouvons avoir la recherche centralisée basée sur les événements, mais aussi l'automation des signés. J'ai mis aussi un autre exemple, c'est notre partenaire d'intelligence artificielle VIR qui est capable de supporter les trois fonctionnalités. Allons maintenant voir avec Amaury quelques exemples concrets de ces applications. Amaury. Est-ce que tu vois bien mon écran? Très bien, merci. Super. Donc, on va passer à la partie pratique et la partie la plus visuelle. C'est important, en tout cas pour nous, en tant qu'équipe Milestone France, de pouvoir vous montrer visuellement à quoi ça ressemble dans notre VMS X-Protect. Pour rappel, le Smart Client est notre superviseur vidéo, donc il veut simple d'utilisation. Et son but, entre autres, c'est de faciliter la tâche de recherche. Et finalement, son objectif, c'est que l'opérateur passe un minimum de temps derrière son écran à investiguer. On rencontre souvent des clients qui nous expliquent d'ailleurs passer pas mal de temps, des demi-journées entières à rechercher dans la vidéo avant de mettre le doigt sur une bonne séquence. Donc, le rôle d'X-Protect ici, c'est de faire en sorte que ce temps soit drastiquement réduit. Pour rappel également, notre équipe avant-vente organise une démonstration complète du Smart Client, puisque l'objectif de ce webinaire n'est pas de vous montrer tout le Smart Client, mais plus un certain nombre d'outils à disposition pour faire vos recherches. Mais donc, notre service avant-vente organise une démonstration complète le 17 avril à 10h. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Débutons dès à présent avec le premier outil que je pourrais appeler l'outil historique dans la recherche vidéo, à savoir la relecture. Donc, la relecture chez Milestone, on utilise la barre, la chronologie que vous pouvez voir ici. Vous pouvez jouer sur la longueur de cette chronologie avec des intervalles débutant de 5 minutes jusqu'à 4 semaines. Pour la démonstration, nous allons rester sur 5 minutes. Donc, la recherche en utilisant la chronologie est très performante quand il s'agit de rechercher, soit de faire la relecture, que ce soit instantané ou accéléré, soit de faire une recherche, vous voyez, en bougeant cette barre de chronologie. Cette recherche est plutôt efficace. En revanche, du moment où vous allez devoir rechercher de la vidéo qui va aller au-delà des 10 minutes, donc au-delà de la recherche facile à travers cette chronologie, il va être un peu plus complexe et il va être intéressant de s'intéresser à d'autres outils. Rappelle tout de même de la performance de la relecture de notre VMS. Alors, je ne sais pas pour vous, d'un point de vue connexion Internet, en tout cas pour moi en face, c'est très, très fluide. Et n'hésitez pas à tester le logiciel Milestone pour voir comment il se comporte en relecture rapide, voire même agressive avec cette chronologie. Donc, téléchargez notre VMS gratuit. Il est gratuit jusqu'à 8 caméras et vous pouvez l'installer sur vos machines. Je vais passer au deuxième outil de recherche qui est finalement un outil qui va vous permettre de retrouver des objets, notamment des caméras ou des vues dans Milestone. C'est la recherche des caméras et vues que vous pourrez retrouver ici, notamment. Donc, c'est un outil qui vous permet de retrouver facilement une vue, une caméra. Et c'est particulièrement intéressant quand vous avez une quantité de caméras et de vues qui devient finalement assez conséquente. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre une logique d'appellation de vos vues et de vos caméras pour que ce soit le plus clair possible pour l'opérateur, pour lui permettre de retrouver ces informations en tapant des mots-clés. Un exemple, ça serait de taper les trois ou quatre premières lettres
du mot parking. Donc, je vais taper parc par exemple et vous voyez tout de suite on va retrouver les vues dont le mot parking, où vous retrouvez le mot parking dans l'appellation de la vue et même les caméras. Donc vous savez que vous avez 1, 2, 3, 4 caméras qui sont dédiées, du moins 4 vignettes qui sont dédiées au parking. Donc rapidement ça vous crée une nouvelle vue. Alors sachez que cet outil est disponible dans un certain nombre d'onglets milestone où vous avez besoin de retrouver des caméras des vues. Donc ça va être le direct, ça va être la relecture, ça va être aussi l'outil de recherche comme l'outil d'exportation pour ajouter facilement des caméras à votre tâche d'extraction. Je vais passer à un autre outil qui permet lui de créer une métadonnée sur votre vidéo, à savoir ce qu'on appelle chez Milestone le bookmark, donc en français le signé. Le bookmark, son rôle, c'est de placer un marqueur rapide ou documenté sur votre vidéo pour facilement le retrouver. Donc là, je suis dans une interface live, vous voyez sur l'onglet live de Milestone. Quand vous passez sur une vignette Milestone, vous allez retrouver la barre d'outils avec les différents outils disponibles, notamment la relecture, le screenshot, et vous voyez ici le signé rapide. D'un point de vue live, pour un opérateur dont le rôle est de passer son temps sur l'exploitation de la vidéo live, il est intéressant de pouvoir marquer cette vidéo rapidement sans décrocher finalement du live. Vous voyez, je suis toujours en live, j'ai marqué ma vidéo, je passe à autre chose. En revanche, sachez que l'opérateur peut toujours revenir en arrière, relire sa vidéo et éventuellement retrouver l'onglet qui a été placé sur le live. Ce petit signé est également disponible côté relecture. Alors côté relecture, généralement l'opérateur a un peu plus de temps, il est dans un mode d'investigation et de documentation, donc on va retrouver toujours cet outil de signé. Cette fois, il n'est pas rapide, mais il va être documenté. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir ajouter un certain nombre d'informations pour faire ensuite une recherche sur les signés d'une journée. Donc je vais mettre par exemple alerte zone 4. Et l'idée, c'est que l'opérateur, sur toute sa journée, va pouvoir placer des signés rapides comme des signés documentés. Et en fin de journée, va échanger avec son superviseur pour dire, ben voici les signés et les événements que j'ai identifiés. Hop, donc je place le signé. On reviendra dessus tout à l'heure. Sachez néanmoins que, regardez, j'ai placé un signé, je passe ma souris dessus, je retrouve soit mon signé rapide, soit la documentation que j'ai pu faire. Malheureusement, je ne retrouve pas, je vous montrerai tout à l'heure. En revanche, le fait d'avoir documenté et tagué un signé, je vais retrouver dans les recherches. Je vous propose de passer à un autre outil qui va permettre de fédérer cette fois les alarmes, donc à savoir le gestionnaire d'alarmes que vous trouvez ici. Donc une alarme, ça provient d'un événement qui a été configuré dans notre VMS pour déclencher une alerte. Sachez que tous les événements ne sont pas des alarmes par défaut, c'est à vous de les configurer. Ensuite, quand vous aurez configuré vos alarmes, vous retrouvez toutes vos alarmes dans un seul et même outil qui est le gestionnaire d'alarmes, donc ce fameux onglet. J'ai simulé un certain nombre d'alarmes que j'ai déclenchées en amont de cette présentation pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez ici, le gestionnaire d'alarmes vous permet de faire dans un premier temps des filtres rapides sur les nouvelles alarmes, les alarmes en cours, en attente, les alarmes fermées. Vous avez également la possibilité de filtrer selon un certain nombre d'informations qui seraient le niveau de priorité, l'état de l'alarme, les sources, le propriétaire de l'alarme. Et enfin, le gestionnaire d'alarme, évidemment, vous permet d'accéder directement à une main courante. Vous donne un certain nombre d'éléments complémentaires, évidemment, le live plus la relecture de ma vidéo. Les instructions pour l'opérateur, que ce soit clair pour lui, petit 1, appeler la police, petit 2, envoyer un agent sur zone, petit 3, voilà, qu'importe. Et enfin, documenter ce qui a pu se passer sur mon alarme. Donc, check, OK. Hop. Donc, rapidement, l'opérateur peut indiquer toutes les opérations qu'il a pu faire suite à cette alarme. Voici un peu le gestionnaire d'alarme et je vais vous proposer de finir la présentation, cette brève présentation de nos outils à travers le dernier outil qui a été lancé dans notre version 2019 R3, à savoir le moteur de recherche centralisé, ce qu'on appelle le Centralized Search. L'objectif de cet outil, c'est de centraliser en un seul point la recherche Milestone par l'utilisation des métadonnées Milestone, mais aussi toutes les métadonnées proposées par des sociétés tierces comme l'analyse vidéo, comme pouvait vous le dire Davidé, ou bien des constructeurs de caméras. Imaginez qu'une caméra puisse vous envoyer la couleur détectée, un type d'objet repéré,
un sens de déplacement, et bien sachez que notre outil vous permettra de lancer des recherches sur une ou plusieurs caméras basées sur tous ces critères disponibles. Donc, dans le moteur de recherche centralisé, vous allez évidemment pouvoir retrouver l'intervalle de recherche que vous pouvez modifier ou bien par défaut trouver 2 heures, 6 heures, 12 heures. Donc là, on va rester sur 2 heures qui est le timing, on va dire, de la présentation. Toujours retrouver ce fameux outil de recherche de caméra, et en l'occurrence, je pourrais rechercher caméra accueil. Mais ce que je vais faire, je vais demander sur toutes mes caméras, hop, toutes mes caméras virtuelles, et je vais commencer ma recherche. Et je vais débuter par la première métadonnée que j'ai générée tout à l'heure, à savoir le signé. Regardez, je vais cliquer sur nouvelle recherche signée, et en tapant alerte, je vais pouvoir retrouver ma fameuse alerte zone 4 et créer une investigation. Donc, vous voyez rapidement, un opérateur va pouvoir faire des signés tout au long d'une semaine et en fin de semaine, documenter rapidement pour son superviseur tous les signés qu'il a pu créer. En complément des signés qu'on retrouve dans cet outil de recherche, vous allez retrouver également les événements. Donc les événements, le but des événements, c'est de pouvoir être tagué dans la base de données Milestone et vous allez pouvoir taper un nom d'événement et retrouver rapidement toutes les vidéos liées à cet événement. Et enfin, vous allez trouver d'autres outils un peu plus poussés en termes de recherche. Le premier étant le Smart Search chez Milestone, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, à savoir rechercher dans une zone la détection de mouvement et voyez la performance. C'est toujours lié évidemment à la connexion Internet que vous avez, mais en une demi-seconde, une seconde, j'ai eu 212 résultats de recherche intelligente sur la zone que j'ai sélectionnée. Et à terme, vous allez trouver de plus en plus de métadonnées disponibles dans cet outil, à savoir la recherche de plaques et surtout les plugins de partenaires tiers. Donc, David est tout à l'heure parlé de systèmes comme Bosch ou comme Vert. Voyez ici l'outil de chez Bosch qui vous permettra de faire une recherche. Alors, j'ai aucune caméra connectée en live sur ma démonstration, mais sachez que vous pourrez exploiter les métadonnées proposées par l'IVA Bosch et enregistrées directement dans Milestone pour faire des recherches post-événement sur un franchissement de ligne, sur des changements de conditions, sur des couleurs. Tout ça directement dans Milestone, et l'intérêt de cette recherche, c'est que ce soit quasi instantané en termes de résultats. Nous avons fait le tour des différents outils. Notre démonstration et la présentation est terminée. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Sachez que vous avez les webinaires disponibles pour les prochaines semaines, et en l'occurrence, le prochain webinaire, on aura l'occasion de se retrouver jeudi à 10h pour vous parler de la méthode d'intégration des caméras dans X-Protect. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par email ou dans le chat. D'ici là, je vous remercie, et David et moi-même, nous vous remercions pour votre participation et nous vous disons à jeudi. Merci et à bientôt. À bientôt.